Hello mes licornes, ici on est au Laser Game de Mons, qui est aussi le Golfi de Mons. Et ici on va faire un Laser Game pour la première fois de ma vie. Normalement je vais tout vous filmer avec cette chose au-dessus, si tout se passe bien. Et donc ici je suis avec Pix, je suis avec JP, je suis avec Rémi, qui est très très loin, ils sont tous très très loin. Et avec Thierry, en plus, que vous n'avez jamais vu. Et on va tous se battre tous ensemble, un contre tous, hein, il n'y a pas de groupe. On se bat tous l'un contre l'autre et je pense que c'est moi qui vais être la meilleure. Oui, on verra ça. J'ai tous vous niqué. Et après, on va faire un golfi entièrement dans le noir. Et celui-là aussi est entièrement dans le noir avec des lumières noires. Voilà, des lumières noires et ça va péter. Oui, voilà, sur le thème de Star Wars. Normalement, vous voyez derrière, je ne sais pas. Oui, voilà, ici, vous voyez des petits vaisseaux, des trucs et tout sur le thème de Star Wars. Le laser game est aussi sur le thème de Star Wars. Et je pense que ça va être bien joli et que la game va être super. Donc c'est parti, on va aller se battre tous ensemble et quel meilleur gagne. Que
On n'entend que moi depuis tantôt gueuler. Pour que vous m'entendez, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'en fait, du coup, je donne ma position. C'est pas une bonne idée, en fait. Mais putain. Mais c'est possible d'être aussi nul? C'est Pix qui m'a trouvé. Qui est passé dessus, on l'entend marcher. Elle est là. Là c'est... Je l'entends, elle est au-dessus, mais... Je ne sais pas du tout où il est. Je pense qu'il va passer. Il y en a un dans le couloir. Ah!
toujours dernier, Melkorn, mais c'est pas grave. Mais vous inquiétez pas, encore une fois, j'ai tout ce truc. Faites pas. Les armes, elles sont lourdes, Melkorn. J'en peux plus, j'ai mal aux bras, aux pieds, aux jambes. J'en peux plus. Je vous jure, ces armes, elles sont lourdes. Sortir du laser game et c'est un truc de folie, je n'en peux plus, j'ai perdu. Comme d'hab. Ouais. Bah ouais, là, comme d'hab, ça va aller. Bah déjà, Vénix t'as perdu, ici t'as perdu, au golf on va perdre, et au machin de laser aussi ouais, t'as perdu. Non, parce qu'elle s'en sort pas mal. Donc voilà, ils disent que je vais perdre au golf, mais je vais tous aussi les niquer, voilà, comme j'avais dit au début. Oui, voilà, et après c'est eux qui vont encore tous me niquer. Donc ici, les points, je vais vous les montrer de plus près, hein, parce qu'ils sont pas glorieux, on va le dire. Hein. On va montrer ça. Tu sais, je me serais levé au lieu de me mettre un coup de boule, tu vois. T'es devant, Rémi. Bah merci. On je les sais. Scannera après. Et bouge, Rémi. Attends. Pas grave, après je le trouverai. Donc ici les points, vous les voyez ici, j'espère que vous les verrez très bien, Melkorn. Mais ici on est, donc vous voyez qu'il y a JP qui est le premier bien sûr. Il y a Pix qui est juste après, il y a Rémi, puis il y a Terry et puis il y a moi avec moins 2000, je sais plus combien. Attendez, je vais voir, 2550, voilà, vraiment. Alors que le premier il est à 1660 et pas un moins, je suis vraiment nulle hein. Donc voilà. Bref du ouais. Coup elle disait que je suis nulle. On est crevé, mais maintenant on va passer à la partie golfy. Ouais. Ça va être marrant. Bon, on vous conseille de venir ici parce que le personnel est vraiment agréable et les gens, franchement, ils nous accueillent magnifiquement. Et surtout, en plus du laser game, vous avez des cibles à shooter aussi qui peuvent vous shooter si vous campez trop. Quelques voilà. Stand troopers, voilà. C'est ça. Voilà, des petits vaisseaux qui vous tirent dessus, des petits. Tout en fait, des coupeurs, des vaisseaux, de tout. Et vu que moi je suis nulle, je me faisais tout le temps tirer dessus. Vous l'aurez vu, moi je le verrai bien comment je suis nulle après en vidéo. Donc voilà, et donc on va se diriger vers le petit golfy et je vais bien tous les niquer. Hein. Allez, c'est parti. C'est peut-être un peu violent.
du coup, comptage des points. Je l'ai mis premier. Ah oui, il a 58. Oh, purée, quoi de peu. On se suit 60 en fait. Ouais. Je me suis bien fait enculer quand même. Ah ouais. 65, donc JP a perdu et Rémi a gagné. Je vous ai tous enculé. C'est le résumé. Ouais. Et on voit ma tête. Tout le reste, je suis trop triste, j'ai perdu. Encore. Encore, Mélicorne. Je suis vraiment nul. Hein. Tiens, cadeau. Et voilà, ça filme. Allez, c'est parti pour... Je sais plus quoi c'est. Escape Room Laser. Laser. Allez. On est à deux. Je suis avec Pix, en groupe. Faut toucher le bouton. Bah, je vois qu'il y a un bouton là, mais il y a un laser là-bas. Je comprends. Mode de jeu. J'ai pas compris, moi. Faut choisir. C'est bon. Voilà, c'est c'était bon. C'était combien? Oh, c'est putain bon. Voilà, les lasers en bas. Faut aller vers celui-là. Mamouf, moi, je peux pas. Oh, purée. Comment on va y arriver jusque là-bas? Mais c'est chaud, hein. Vas-y. Oh purée, t'as vu c'est quoi qui s'est remis là? C'était pas ça, il était pas là avant. Quand tu passes en dessous, tu vas toucher. T'as touché? C'est bon. C'est bon? Mais y'en a un deuxième là. Attends, je vais y aller. Vas-y. C'est bon. Y'a un rouge là-bas, derrière ton cul. Et en dessous un bleu. Attends. Ça marche pas? C'est bon. Il y a un bleu là-bas et le vert, je comprends pas. Nice. Oh yeah, on a gagné. On a mis victoire. 1 sur 5. Pas mal, pas mal. Voilà. 1 minute 6. On a gagné. 1 sur 5, je sais quoi, laser coupé. On a touché un laser sur 5. Oh. Ok. Et voilà. On a eu 3 étoiles quand même. Ça va. Nickel. Allez, prenez, prenez la petite GoPro. Allez, c'est parti. C'est prêt. C'est parti. Avec Rémi et qui va aller avec. Oh, je vais aller tout seul. Je vais aller tout seul. Ouais, allez, Rémi, tout seul. Ouais. C'est pas tenter le diable tout seul. Par contre, c'est un truc de malade. Fais attention, mets-toi contre le mur. Vas-y, hein. Vas-y, rien à foutre. Difficile, vas-y, rentre. Attendez, ça s'appelle difficile, ça. Ok. Voilà, Rémi est à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il a déjà coupé un laser en fait. Ouais, je crois qu'il a déjà touché un laser. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est écrit en haut et il n'en a pas encore touché. Ils sont ici. Oh, il est fort. Ah ouais, hein. Il est en difficile, ouais. Vous nous avez mis en facile. Ah, ça va. Ouais, il est allongé carrément. Oh, coupé un laser. Bon, on n'en a pas touché vu que nous c'était rouge. Ah, la fin. Il réfléchit, là, il se dit putain, comment je fais. Et il a vu le bouton qui était à droite. Il a pas vu que le bouton était à droite. Je me dis ou pas? Rémi, il est derrière toi le bouton. Le bouton est à droite. Bon, là, ça va être un peu plus sharp là. Ah, oui, ok. Donc, en fait, là, il y a tous les lasers. Et là, en fait, j'ai juste un petit passage là. Et il est en train de toucher blindé. Ça fait déjà 3. Ouais. Ouais. Le bouton est là en fait. Bah ouais. Mais il ne l'a pas vu. Oh, plus qu'un laser. Il n'a plus qu'une vie. Non, difficile, ça doit pas être facile. Bah c'est le cas de le dire. Ok. Tout le plein de cette difficulté. Oh merde. Il y avait l'autre là-bas. Là, il a appuyé. Du coup, il y en a deux. Ah, game over. Nous, on a réussi. LOL. Mais c'est pas si easy hein. Non mais easy. T'avais vu qu'il y avait tous les... Tous les quoi? Tous les boutons. T'as touché tous les boutons? Non. En fait fallait toucher les boutons et les éteindre. J'ai juste bon ben c'est ça. Prends la GoPro. Toi, difficile. C'est difficile pour GP. Ah c'est franchement c'est pas 3, facile hein. 2. Moi, bah oui c'est le principe de difficile. C'est ce que je disais. Oh là là là. En fait j'ai tout loupé en fait. Moi j'ai pas fait les boutons. Ouais tu dois aller... Ah oui, il est grand. Ah, oh. Il a touché, c'est bien. Déjà, il est grand mais souple. Ouais, j'avoue, ça doit pas être facile. Et là, il est en train de chercher. Non, faux. Ah ouais, il bouge, non? Ouais. Il est toujours pas touché de l'envers, c'est bien ça. Et... Ah, il a touché. En fait, faut passer.
ça. Et en fait, nous, on n'avait pas compris qu'il fallait appuyer sur les deux en même temps. Du coup, il fallait qu'elle appuie, moi aussi, et du coup, on a perdu plein de temps. Je crois que j'ai fait de la merde avec la GoPro. Oui, bah t'inquiète. Non, t'inquiète. Allez, allez, atterris. Allez, atterris. Tes sacs. Faut d'abord mettre la pièce. C'est la merde. On te met en dur. Ouais, allez. Avec mon handicap de. Oh, difficile. Super dur. Ah ouais, c'est super dur. Hein. Ça a l'air tout facile, allez, mais en fait, non. Non, mais lui, il a un petit moment. Oh, c'est surtout qu'il a la musique de Mission Impossible. C'est oh, trop oui, bien, lui. C'est trop mignon. Il a touché. Démonétisé. Ils ont un temps. Attention. Que deux vies, c'est le truc. Il a rompé quoi. Ouais. On passait au suivant, là c'est à la fin. Ah, il est redonné niveau là-bas, il se dit merde. Putain, encore une. Ah, il a touché. Allez, rentre. Il est derrière. Il a glissé. Il s'est glissé. Oh, une réaction difficile quoi. En moyen. En moyen. Non, on a mis en difficile. Saloperie de futal. Ouais. Purée. Eh ben, Terry, bravo. Je t'en prie. Bon, voilà, Mélicorne, on vient de rentrer. On est à la maison parce qu'on n'a pas pu rester plus tard parce que c'était déjà la fermeture. Ils ont été bien gentils. En tout cas, le personnel a été bien gentil puisqu'ils nous ont laissé un peu plus longtemps pour faire la vidéo. Merci à eux. Et donc, voilà, on a fait le golfing comme vous avez vu, le laser escape room un peu style, je sais pas, comment j'avais dit encore James Bond. Voilà. Voilà. Ouais, vous avez vu, c'était bien marrant. Et le laser game style Star Wars, c'était génial. Et donc, qu'est-ce que vous avez pu vous ressentir? C'est quoi? On était bien crevés après le laser game, ça c'est sûr, c'est que le laser game, c'est l'esprit de compétition qui fait qu'on donne tout, voilà, et qu'on court beaucoup. C'était chacun pour soi aussi, donc... Voilà. Ouais, voilà, et très fatigant, surtout pas courir, parce que si, j'en pouvais plus. De toute façon, il fait marquer comme quoi qu'il faut pas courir, parce que... Ouais, partout, ouais. Je pense que je l'ai bien filmé partout d'ailleurs, pas courir. Donc voilà, bah, bien sûr j'ai perdu, presque gagné au golfie au final, j'ai eu... 60. Ouais, voilà, ouais, on était 3 à avoir 60. 3 gagnants, enfin 3 moyens, ouais, un gagnant et un largement perdant. Ouais, le gagnant, du laser game qui était perdant au golfie. Ouais. Et le truc là, l'escape room laser, c'était vraiment marrant, c'est marrant le concept. C'est hein. Plus dur qu'il n'y paraît, parce que moi, j'ai comme compris, ça... Moi franchement j'étais là en mode, ok, il y a des lumières, évite les lumières, puis maxi au revoir. Non, ouais, ils avaient expliqué juste avant. Il fallait appuyer sur les boutons. Bon, moi j'ai mis en difficile, hein, comme JP aussi l'a mis en difficile. Toi et Nana vous l'avez mis en normal. Moyen, ouais. Et Terry aussi l'avait mis en moyen. Donc mais vous avez quand même été plus fort à deux parce que je crois que Terry en a touché 4 de laser. Et nous on en a touché qu'un. Et vous, ouais. Vous en avez touché qu'un. Ouais. Du coup vous avez une meilleure note là-dessus. Ouais, donc vous avez quand même, ouais. Entre guillemets, bah en fait dans chaque partie chacun a gagné une fois. Ouais, c'est ça. Ça en plus. Voilà, ouais, final, c'est ça, voilà, au final. Il n'y a pas de perdant. Voilà, il n'y a pas de perdant. Et donc. Ce qui est bien avec ce golfie là et qui est un peu partout en Belgique, il y en a un peu partout, ils ont pas tous le laser game malheureusement. Il y en a un à tourner qui est vraiment top aussi, oui, au voilà. Niveau des décors. Et ce qui est bien en fait c'est vraiment c'est dans le noir avec des lumières noires, donc vous avez pu voir dans la vidéo. Quand on est en blanc on réfléchit beaucoup, voilà, pas moi mais mon pull. Donc voilà, c'est vraiment chouette comme concept, c'est très rare. Genre, je crois que c'est les seuls qui font ça, un golf dans le noir comme ça, avec des lumières noires, c'est pas mal. Ça peut exister, mais j'ai pas entendu parler. Ouais, moi non plus. Donc voilà, et franchement, on vous le conseille à tester, à faire. On s'est bien amusé, ils sont super sympas, tous les 5. On s'est bien éclaté. Terry et JP ont dû partir. Donc ça, on fait l'autre, rien qu'à toi. Il était déjà bien tard. Voilà, il est déjà très tard quand on tourne cette vidéo, je pense que ça se voit sur nos têtes. Ouais. Qu'on est très fatigués.
fatiguée. Bon, en tout cas, on remercie les deux personnes du Golf Fit parce qu'elles étaient très sympathiques, elles étaient très avenantes et tout ça. Elles nous ont même mis un petit bonus en plus. Donc, franchement, merci à eux déjà. Ouais, ça c'est sûr. Comme on a dit, un grand merci à eux de nous avoir laissé pu tourner jusqu'au bout et d'avoir été là pour nous aider d'ailleurs pour installer l'équipement parce que c'était vraiment dur. Donc voilà, on vous fait plein de gros bisous, mes licornes, et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Et mettez la cloche aussi. Ouais, ça aussi. Ça permet des notifications pour voir ma sale gueule. Voilà. Plein de gros bisous. Allez, bye bye. Bye bye.